Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour du contenu voyage, pour du contenu foodies, pour du contenu New York. Donc, je reviens à l'instant, littéralement il y a comme une heure et demie de New York. J'étais partie pendant 4 jours avec mon ami Zozo Duval. Donc, si vous n'avez pas vu passer ça, c'est parce que vous ne me suivez pas sur Instagram. Alors, allez le suivre tout de suite. Vous allez voir toutes mes aventures. Et j'ai décidé de vous amener avec moi à toutes les places où on allait manger. Parce que j'avais vraiment fait des grosses recherches sur où aller manger. C'était où les spots à esthétique, c'était où les bons spots qui étaient bons dans l'gueule et qui n'étaient pas attrape-touristes. Parce que ça m'est arrivé une couple de fois en voyage de me faire avoir par des spots qui coûtaient un bras puis une jambe et qui n'étaient pas dans l'gueule, dans la gueule. Alors là, je vous mets mon guide des endroits où je suis allée. S'il y a des places où j'ai pas été et vous vous dites c'était un must, fallait que tu y ailles, écrivez-le en commentaire parce que si j'y retourne, j'allais voir vos recommandations. Alors, I wanna know, je veux savoir aussi si vous avez été à des places où j'ai été, comment vous le recommandez ou pas. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Le petit disclaimer, parce que c'est un peu confus. La première journée, on s'était comme levé à 3h30 du matin. Donc, on était semi en famine, OK? Alors, on grignotait un peu par-ci, par-là. Mais les bons mets vont vraiment commencer le soir quand on est allé au sushi. Donc, j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Alors, je vous laisse à la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses de la vue? Je vois pas grand-chose, honnêtement. Non? Pourquoi? Pourtant, on voit un beau poteau rouillé, une fenêtre sale et tout. Il y a un peu de lumière. Wow! Puis j'ai envie de tout prendre, en fait! Est-ce que t'as les papillons dans le ventre? Oh my god, ils sont tellement sexy! Oh my god! Hey, on goûte? Ouais. Il y en a même des véganes que j'ai pris. Oh my god, ils ont mis un L! So cute! Mais oh mon dieu, c'est ce qu'il nous faut ce soir! Tu regardes la putain de grosse bouteille. C'est vrai. I wish. It is the vibe. It is the vibe. On a eu notre vol vraiment tôt ce matin. Puis moi, personnellement, j'avais pas vraiment mangé avant live. Et mon verre vient de me rentrer dedans comme un train à grande vitesse. Bon matin. Tchou tchou. Toi, t'es-tu un peu... Moi, je suis comme pilou. Ouais. Mais je pense que ça va m'en prendre plus. Aller voir le serveur pour demander son aide. Je comprends. Que on va tous envoyer des prières pour Zozo. S'il nous a répondu, en fait, s'il a répondu à Zoé, ouais. D'ici la fin que je pose ma vidéo, je vais vous updater. Vous updater, c'est sûr. Outfit check! Ta-da-da-da-da-da. Oh my god, je me suis acheté ce foulard-là tantôt. I love it. Oh my god, guys! Donc là, on s'en va souper au Sushi Lab Rooftop. On vient d'arriver devant la place, il faut descendre. Fait que je vois où, le rooftop. Ça a l'air super beau. Ouais, rooftop. Let's go! Let's go! Guys, c'est tellement chic. Mais genre, abusé. C'est legit, on espère que rendu en haut, ça va être moins beau. Ouais, parce que c'est un peu gênant, sinon j'ai mis des filets. C'est quoi des filets? Oh! Genre, c'est gênant. It's kind of giving film d'horreur. Ouais. It's kind of giving The Shining. C'est là. Oh, ok, ben ça devient de moins en moins bougie, honnêtement. C'est trop cute! Oh my god! Mmh. Love it! En gros, dans le fond, on vient de commander au restaurant. Puis il y avait
une option végane pour les sushi rolls, genre. Mais une seule. Donc, le pasteur a demandé si on pouvait, mettons, enlever le poisson d'un autre sushi roll pour que ça soit différent. Il n'y a comme pas de possibilité pour eux dans leur tête, donc c'est un petit peu compliqué à comprendre pour la serveuse. Fait que, mais les entrées ont... C'était sur le pointeur McCarran. Ouais, c'est ça, était proche. Mais les entrées, ça a l'air super bon, j'ai hâte de voir. Puis honnêtement, je pense que ça va être vraiment bon. C'est juste que ça se peut qu'elle mange deux fois la même affaire. C'est tellement la dalle que je mange le géant. Ça pique. Quel est le verdict des petites? Les frites d'avocat. Ouais. Honnêtement, avec la sauce toute, c'est cool, salé, c'est bon. Moi, je donne un genre de 9 sur 10. Ouh, ok. Ouais. Ok, moi, je pense que je donnerais un 8-9 ici. Delicioso. Bon. C'est pas chic. C'est vraiment bon, ça. Ouais, la saisonnement est bien. Je pensais que c'était du fromage du pain, mais c'est du zeste de citron, puis il y a du sel de truffe. Vraiment bon. Honnêtement, d'habitude, Oui, il vient de recevoir ça qui était censé être une assiette de wagyu. C'était combien de dollars? $25 US. $25 US? Mais il y a de l'or dedans. Ah, mais c'est le fun, ça goûte bon. Non, sérieux. Ça se mange comment avec mes doigts? Mais il y a wagyu, je comprends pas. Le wagyu, je pense qu'il est à l'intérieur du poisson. Ah? Ok, ben. Est-ce que je mange demain? Ouais. Oh, comme un burger? Comme un hamburger. Je sais pas. J'imagine que j'avais juste assez à manger. Bonne chance. It's not the vibe stuff? No. Combien sur 10? 4. 2. Oh my god, why? Ah, ça goûte le vieux fond de rivière. Le fond de rivière? De Saint-Côte-de-la-Chine. Oh. Alright. Okay. Guys, j'ai fait ma carrière, j'ai dit, where is the white you in this? Ça, c'est pas le bon plat. C'est pas le bon plat. Imagine qu'on avait rien dit, j'aurais payé 25$ pour le char. C'est pas la bonne affaire. Et voilà, c'est arrivé. Finalement, c'était pas du tout la bonne affaire. Est-ce que j'enlève le cash? T'aimes pas ça? Pas le caviar. J'enlève-le. Ben, ça, c'est du vrai caviar, genre cher, mais... C'est ça qui enlève. Ouais. Oh my god, ça a pris genre 25 minutes avant qu'il ramène le bon. J'ai faim. Tu sais, manger du poisson quand t'as pas faim, c'est genre... Dégueulasse un peu. Ouais. Bonne chance, mon beau! Merci. T'es mal à boucher. Oh! Ça se mange trop bien, ça. Encore une fois? Non. Thank you. Elle t'a dit que c'est la best part of the menu. T'es-tu d'accord? Yeah. Yeah! Donc c'est tout du tartare en fait, donc là il y a le tartare de poulet. C'est la première fois que j'en mange. Tu t'en as déjà mangé? Non, jamais. Ça va? Ouais. Ça doit être mouchi un peu. Ouais, ça goûte un peu. Comme le poulet cuit, mais avec une touche de poisson. Ça. Ok, donc ton review du resto. Ben déçu. Honnêtement, la bouffe était relativement bonne, mais le service tellement mauvais que ça scrape l'expérience. Puis j'ai vraiment mal au ventre, j'ai peur genre que qu'il y a eu de quoi de pas pour moi. Mais peut-être que le tartare de poulet, honnêtement, j'en avais jamais mangé. Non, je pense que c'est ça. Mais moi avec, je trouve que les serveurs ils étaient tellement bêtes, ils étaient tellement pas genre... Ils voulaient faire aucun compromis. On demandait... d'avoir notre bouffe en même temps, il disait que c'était impossible. Finalement, tout a été arrivé au mauvais moment, genre, ça fait pas du sens. Jean-Zoé, il a eu sa bouffe comme un bon 30 minutes avant moi.
Genre, en tout cas, fait que ça c'était moyen. Moi, mes sushis étaient corrects, mais pour le prix, c'était intense. Mais par contre, c'était vraiment beau l'endroit, donc. C'était correct. C'est un pensez-y bien. Si ouais. vous y allez. C'est cher en plus. Moi, ça ouais, m'a quasiment coûté 100$ canadien. Hein? Ça m'a coûté 80 US. 80 US. Ok, moi ça m'a coûté genre 50$ canadien, fait que c'est moins pire. Mais c'est ça, fait que si vous voulez y aller, armez-vous de patience et de pognon. Oh! Oh my god! Oh my god! Let me in! Let me in! In New York! Concrete jungle where dreams are made of! Même si on a trouvé, c'est une faux-fille. Tu peux plus m'arrêter, honnêtement. On n'arrête pas de parler. C'est une fille qui a pris le télé. Oh my god. Attends. Genre, littéralement, tous les snaps. Depuis c'est juste ça. Oh my god. Ça, c'est moi qui dors dans l'avion. Ah, c'est excellent. Le camion de crème glacée. Oh non! Moi et Susan, on cherchait des voies de sucré. Et là, je crois qu'on a trouvé un ice cream truck. J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, c'est genre mon rêve. Oh my lord. A dream come true. La gang, c'était un échec. Dans le fond, on n'a pas Venmo, donc on pouvait pas payer le gars. Puis, il essayait vraiment de nous crosser, il nous a dit qu'un popsicle c'était 5$. Donc, il était genre, ben, c'est genre 5$. Je suis comme, ah oh ouais, t'es sûr. Oh yeah, 5$ pour un popsicle. Alright, alright. Oh, on a trouvé une deuxième option. Oh my god, yes. Je sais pas si vous voyez la grosseur des cônes, what the hell. C'est approuvé. Ouais. Le prix de la non-dairy change this world. Vraiment, you. Dans la gueule. Il y a comme des morceaux de biscuits, des morceaux de gras. On était censé s'en aller à l'hôtel dormir. Sauf que là, sur notre chemin, est apparue une voyante à 10$. Donc là, on s'est dit, on veut aller la voir. Et dans le fond, elle nous a dit de revenir dans 20 minutes. Et là, j'avais une soif de louve assoiffée. Je suis allée m'acheter un Pepsi Diet et j'avais été autant bon. Je le bois là, pis je suis comme. Tu savoures. On dirait que je suis un désert du Sahara qui se fait pleuvoir dessus. Why not? Why not? Guys, on est devant la médium. Ok, donc là, on revient. Finalement, ce n'était pas 10$. Le moins cher reading était 30$. Donc, chaque. Ça nous a coûté 60$. Est-ce qu'on a et ça a le prix 5 minutes chaque. Ouais. À peine. À peine, parce que ça, c'était 10 minutes, puis là-dedans, on est allé retirer la chambre. Mais on est trop cons, genre, on s'est fait crosser comme deux cœurs. Non, mais en même temps, c'était. Genre, moi, je savais que c'était. Ça allait un peu être une crosse en même temps, mais c'est l'expérience, et c'est drôle. Mini-expérience. Expliquer, genre, expliquer ce qu'elle a fait. Mais toi, elle t'a dit plein de trucs, genre, ouais. Full. Quand même accurate, même avec accurate. Elle était genre, you like boys and girls, nanana, il y a quelqu'un dans ta famille qui va avoir un enfant maintenant, c'est vrai, genre plein d'enfants de même. Mais tu sais, c'est quand même, j'avoue, c'est quand même general, là, peut-être. Ouais, c'est sûr. Elle a vu que t'étais un peu fruity, puis elle s'est dit, il y avait quelqu'un dans sa famille qui va avoir un enfant. C'est sûr. Mais moi, elle m'a dit des trucs que j'étais genre, quoi? Elle était comme, toi, là, tu veux vraiment aider les gens, tu vas être comme pédiatre. Psychologue pour enfants, professeur, pis j'étais comme non, vraiment, vraiment pas en fait. Pis t'es comme, faut vraiment que tu fasses tes études là-dedans. Tu fais quoi en ce moment? J'étais comme du cinéma, t'es comme ouf. Fais tes études en cinéma après, pis j'étais comme. Ouais. J'ai presque terminé, mais ok, en fait. Ouais, c'était quoi l'autre affaire? Ma tête dit que t'allais avoir 3 enfants, mais pas avec ton chum. J'étais comme. Puis elle a demandé, elle a dit, ah, oh, c'est lui ton chum? J'étais comme, non. Elle a dit, ah, oh, je savais, là, je les ai juste demandé. Puis j'étais genre. Fait comment ça que moi, il allait full à la prise, puis toi, t'as full lui. Ouais, t'es arrivé, comme... puis elle était comme, bing, 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 tout ce qu'elle disait. J'étais comme, ouais, ok. Elle a aussi dit qu'il y avait quelqu'un dans ma famille qui semblait souffrir en ce moment, mais que finalement, ça allait aller, blablabla. Mais j'étais comme. Mais c'est vrai en général, mais ouais, en tout cas. En tout cas, la gang! On a mis à eu. Fait que si vous trouvez une voyante, elle vous dit une palme ou deux palmes,
fait le plus possible. Ouais, parce que là, on voulait faire juste une main, puis elle était comme, non, mais deux, c'est vraiment mieux. Fait qu'on était comme, ok, deux. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu environ 80$ canadiens. Oh my god. Zozo, do not like his picture that we took today. T'as tellement les yeux rouges, on dirait que t'es défoncé. Et même pas, est-ce que c'est... Même pas, on est juste vraiment fatigué. Oh my god. Ça, excuse-moi, là. I need more Botox, thank you. Donc nous, on s'en va se coucher parce qu'on s'est levé à 4h du matin, ce matin, et we are dead. Et demain, oh my god, je me suis démaquillée avec des lingettes de maquillante, ça me fait tellement gras sous les yeux, wesh. Ok, bref, demain, le déjeuner est inclus avec l'hôtel. J'ai vraiment hâte de voir. D'habitude, c'est bon, là, au Hyatt, c'est bien. Honnêtement. On va voir. On va voir. Je suis quand même difficile avec les buffets d'hôtel. Fait qu'à demain, la gang. Bon matin. Bon matin. Hi, guys. Hi. Donc, cette nuit, j'ai été somnambule. Quand je me suis réveillée, j'étais comme. J'ai demandé à Pascal, j'étais genre. Mais ça, j'ai été somnambule, ce que j'ai fait. Monsieur était à côté de moi, on était couchés face à face, mais comme quand même loin, là, parce que c'est un gros lit. Oui. Et là, j'entends bouger, fait que j'ouvre un peu mes yeux, puis là, il me fait. Il me donne un bec sur le front, là, je suis comme. Mais là, j'étais tellement perdue, genre, je savais pas, j'étais où, je savais pas, j'étais avec qui, tu sais, quand t'es dans un nouvel environnement. Mais simple. Puis là, j'étais genre. T'es qui, toi? Puis après, j'ai réfléchi pendant genre 10 minutes. Puis dans le noir, je trouvais qu'il ressemblait à un ami Antoine. Puis j'étais genre, oh my fucking god, pourquoi je suis en train de dormir avec? Oh my god. Puis là, ça était de même. Mais c'est comme. Ah, Zoé! Puis là, il était comme. Désolée, je rêvais. J'étais comme. Mais ça, je savais même pas que je l'avais fait. Genre, j'avais aucune cause d'idée. Fait que je me suis juste rendormie. Mais là, ouais. Je suis vraiment étrange. Bref, on s'en va essayer le breakfast de l'hôtel. J'espère que ça va être bon. Et ça, c'est vraiment le fun parce qu'ici, on va pas se faire reconnaître. Regardez nos tronches de. On s'est réveillé à 4h du matin la veille. Eh bien, on va y aller comme ça. YOLO! Yeah. Bye! Ça fait 30 secondes qu'on est arrivé et une madame tousse déjà dans le buffet. Ok, à date, c'est pas si mal. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a tellement de monde, je peux pas filmer. Mais il y a une présentation de mon assiette. Patatas brown, fruits, gruau. On a des œufs du bacon de dinde. J'ai jamais vu ça. Des donuts rose, des fruits et des patatas brown. Et un jus d'orange. Honnêtement, vraiment, vraiment bien. Donc moi, j'ai pris un chai latte et toi, un cold brew. Cold brew latte. Cheers! Cheers. You, la vue est trop belle! C'est sûr, je suis dedans. Oh, mais bien sûr! Guys, là ce midi, on s'en va manger des ramen. Avant d'aller sur le pont de Brooklyn. Et là, on s'était rendu compte qu'il y a rendu 2h, puis donc, quand même, on est un peu étourdis. Ouais, il était temps qu'on mange. Faut qu'on aille s'enfiler une bonne grosse crise de ramen. Let's go! Looks so good. Fait combien sur 10? Ben honnêtement, je pense un bon 9. 9? Wow! Honnêtement, 9 aussi, vraiment bon. Ouais. J'aime tellement ça, le tofu sucré de même, c'est vraiment bon. Guys, on vient juste de sortir. Je suis ballonné. On est plein. Mais c'est bon parce que ce soir, on soupe à 8h dans un resto qui a l'air tellement beau, mais il devient un bar. Qu'on était comme on va aller souper tard pour pouvoir étirer ça puis rester au bord. Fait que on va être rempli jusqu'à 8h. Écoute. Cool.
banane. Ouais. Ça, c'est s'mores peanut butter. Ouh, c'est laquelle la meilleure? S'mores peanut butter. Vraiment bon. 10 sur 10? Uh-huh. Ouh. Moi, j'ai pris noix de coco, qui est ma sorte favorite. Ouh! De crème glacée de tous les temps. Et il y a aussi des petites pépites de chocolat et de caramel. Je trouve que ça gâche un peu le goût. Ah ouais? Mais c'est quand même vraiment bon parce qu'il y a plein de sortes véganes, donc je suis vraiment contente du choix. Ouais, quasiment une dizaine de sortes véganes. En plus, on a une belle vue, là. Fait que moi, ça. Wow! Hey. Comment on se sent? Plein. Mais plein. À la Ouh, let's go, let's go! Guys, on est maintenant le soir. On s'est mis Gyu. Et là, on s'en va à un resto qui est situé dans un hôtel. Ça s'appelle le Popular. Et c'est 600$ la nuit. Donc, ça devrait vraiment être cute. J'espère que ça va être bon. Et pas juste cute, et que le service va être bon. Parce que là, ça suffit, le mauvais service. Mais moi et Zoé, on a vraiment, dans le fond, une malédiction dans les restos. On peut pas aller dans un resto sans qu'il arrive de quoi vraiment anormal. Ouais, c'est pas vrai. Genre, la semaine passée, on est allé souper ensemble et on est pas mal sûr que c'était un restaurant de mafioso et qu'on avait zéro à faire là-bas. Ouais, ils voulaient pas qu'on soit là. Vibes. Donc, on va voir ce soir. On va prier pour nous. À midi, c'était correct, le resto de ramen. C'était une de nos premières looks à vie. J'ai juste fucking mal au ventre, là, mais tu sais, ça, c'est mon premier. Ah ouais? Ouais. Comment ça? J'arrête pas de péter depuis tantôt, j'ai assez sans cesse. C'est vrai, tantôt, il y avait vraiment une envie de chier dans une petite boule dans le lobby de l'hôtel. Bon matin! Raconte l'affaire de... la crème glacée. Je mangeais une crème glacée, une grosse bonne crème glacée. Puis là, j'arrive à la fin de mon cornet, il me restait juste mon cornet. Fait qu'il y avait pas vraiment de crème glacée qui fondait, tu comprends? Puis là, parce qu'elle me dit, ah, attention, ça va couler parce qu'il y a de la crème glacée sur ton compte. Puis je suis comme, hein, je sais ça de même. C'est clairement pas de la crème glacée, c'est genre, c'est comme semi-solide, c'est pas froid. Ça goûte pas la crème glacée, je suis comme... Là, je regarde en haut, je suis comme clairement, c'est un fucking waffle qui a chié sur mon compte et je l'ai mangé. C'est peut-être pour ça que t'as vraiment mal au ventre. Ça se peut. Oh my god, c'est... Oh my god, c'est tellement beau, Oh my god, je suis comme gênée. Ouais, encore une fois. Ça sent encore la Guadeloupe, ça? Si. Ouais, c'est vrai. Oh my god. J'ai fait le saut, je pensais qu'il y avait quelqu'un, mais c'est moi. Oh my god. Oh my god, c'est tellement cute. Elle. Wow. Donc, Zozo a pris le chicha et moi, j'ai pris le coquito. Ils sont juste ici. Et c'est genre un des meilleurs cocktails que j'ai vu depuis un bon bout. Toi, il est-tu bon? Ça fait comme très complexe comme goût. Il y a plusieurs. Hein. Ouh, ok. Ok, là, guys, à date, pour votre trou. Déjà ça. Quoi? Parce que mes lèvres me piquent, je me demande si elle a pas mis de la nanane dans mon jean. Je suis même depuis tantôt. Okay. À date, tout va trop bien, à part peut-être la nanana dans mon drink. Mais ça sent bon. C'est tellement beau. C'est genre... Les drinks sont hyper bons. C'est louche. C'est louche. Tout est parfait. Something is happening. Ouais, même le service est super bon. Oh my god, la service est tellement gentille. Je suis comme... Wow, man. Donc on a les champignons ici et l'assiette en pastis. Je sais même pas c'est quoi, mais comme... Genre, je sais pas c'est quoi dans quel que j'ai commandé. Ça a l'air le genre de céleri rare. Céleri rare? C'est petit en tissu, hein? Il va falloir que tu apprécies. Et puis? C'est vraiment excellent, honnêtement. Ça, c'est 10 sur 10. Là. Encore? Ah oh, ouais, sans hésitation, c'est... C'est mieux qu'hier. Ah mon dieu. Hier, c'est quoi? Mes sushis. Ah non, c'est vraiment, vraiment meilleur. Genre la sauce au curry, un peu. Delicioso? Ah. Là, guys, on est rendu à notre deuxième cocktail et c'est guys, déjà parti. Moi, j'ai ma maman à Gatineau. C'est déjà parti, la gang. Ouais. Et c'est quelque chose. I'm lost in the dust. You're lost in the dust. Yeah, okay. But it's very good. Are you soulless? I'm soulless. You're soulless? I'm soulless. I'm starting to be soulless. Yeah. Ça, c'est chiant, hein? Par contre, la petite fille qui rentre dans le nez. Ouais, quand on va rentrer dans la marine, ça va prendre par surprise. Oh, oui! Oh my god, on a eu notre deuxième plat. Ça, c'est quoi? C'est ton canard? Ouais, c'est une genre de puce de canard. Ça a l'air excellent. Mmh. Ça a l'air vraiment bon. Puis moi, c'est de la courge. C'est
c'est avec le fun. Tu le manges avec les lentilles. Faut que tu te mettes dans le scoop. Bonne idée. Merci. Merci. Sur 10, monsieur. Je dirais 9.8. 9.8 parce que j'aurais mis un tout petit peu de sel de plus, mais super bon, un peu piquant, avec le yogourt, ça l'adoucit. Quoi? Moi, c'est tellement nice. C'est juste rose. C'est vrai. Mais la courge est tellement bonne, la sauce est super bonne, les endives, wow. Honnêtement, ça c'est un 10 sur 10, genre, ça ouais. Fait un bout, j'ai pas mangé dans un bon restaurant. Ah oui? Vraiment. Vraiment. On a reçu nos desserts. Oh my God, ça a l'air tellement fucking taste so good. Ok, là on est vraiment revenu à la normale, mais ça fait vraiment une heure qu'on parle en anglais contrairement des scénarios de vie parce qu'on est gros sous-lives. I love that. Ça, ça a l'air trop bon. Moi, oh, c'est une... je vais sentir... C'est une crème caramel au butternut. Buttersquash. Squash. Je sens qu'il y avait quelque chose qui tenait pas bien. Ouais, fait que c'est comme un flan à la courge. Et toi? Moi, c'est... On dirait une poire au chocolat noir. Une poire? Mais tu sais comment dire une poire? C'est une tarte. Mais pas dire une poire. Ah, parce que, ok, de mon bord, il y a une poire, mais de l'autre bord, c'est une tarte. Mais je vois, il y a pas la poire. C'est une tarte, ma belle. Thanks, Tess! Ok, Zoé a goûté. Combien tu donnes? 10, vraiment. Encore? Ouais. C'est vraiment... Ça, je pourrais en manger genre 8 de suite. Oh my god. Il a dit que c'était crémeux comme du beurre. Ouais. La texture, c'est surprenant. J'ai rarement mangé ça. Excellent. Excellent? Ouais. Mon mec, c'est vraiment bon, mais ça goûte vraiment chocolat noir. Je sais pas si t'aimes ça, de pas goûter. Ouais. Mais c'est vraiment foncé. Donc, ça nous a coûté environ 100$, 325$, ouais. Mais c'était worth it. C'était vraiment très tentant de dire qu'on avait une chambre ici, de mettre le numéro de chambre pour c'est que ça se fasse bilé à la chambre. I mean, c'est parce que si on se fait pogner, c'est comme un petit peu gênant. C'est un petit peu délit. Good morning. On est vraiment pas fresh today. On s'est réveillé à 10h30. Et qu'est-ce que c'est dans la tête? Parce qu'il fait il y a un bourgeon dans la tête. Ouais, hier, mettons que la soirée était quand même arrosée et le fait de marcher toute la journée, on était un peu. Ouais, on était fatigué puis déshydraté aussi. Ça a pris. Fait que, ouais, moi, je me rappelle pas d'avoir bu de l'eau hier. Donc... Non. C'est simple. Chilling with so, là on s'en va à un resto d'acai bowl. Parce qu'on voulait pas de quoi de trop intense parce que. Ça a laissé la puissance en train de passer par le camion. Ah! He said. Et le camion rouge. He said no. Oh, thank you. Vraiment, comme les gens, la lumière, c'est genre. Il est sur le truc d'un piéton. Bref, on voulait pas de quoi de trop lourd, fait qu'on s'en va manger les petits acai bowls. J'espère que ça va être aesthetic, Pinterest, etc. Donc, allons-y. Outfit check! So I'm wearing Tigre Géant. Ooh! Very fashion. Wow! Yeah. Outfit check! For me, on a un sac de Saint-Critin. On a aussi les pantalons que j'ai achetés hier. Ooh! Les Converse, les mêmes que j'ai traversé la jungle de la Guadeloupe avec. Un corset et des bijoux. We love des that! Des lunettes à 2$. Yeah! Oh my god, c'est là qu'on s'en va, Playa Bowl! Guys, on vient juste de commander, il y a tellement de choix et ils l'ont littéralement fait en une minute. On se rappelle la dernière fois que moi, Zoé, qu'on est allé à un restaurant d'Acai Bowl, ça a pris 40 minutes de faire. Là, il y a une grosse ligne, c'est plein, ça a pris une minute. Love the service! Regardez tous les choix, genre, il y en a tellement! Oh my god, moi j'ai pris coco loco. Donc il y a des mangues, de l'anthe coco, des bananes. Et ça, c'est l'anthe coco. Ça, t'as pris quoi? Coco Nutella. Oh my god, it's coffee time. J'en ai vraiment besoin. On a oublié de se prendre un café à l'autre. Oh, c'est trop cute ici. Pourquoi lait végétal, ça fait tout le temps ça? Plein de muffins. Oh. I love some good muffins in my mouth. Okay. Là, je vais vous montrer le truc, comment bien brasser les fonds de verre. Et surtout, quand il y a de l'alcool au fond de nos verres et qu'on veut qu'ils remontent. Oh.
Voilà! Ok guys, donc là on est rendu au Chelsea Market. J'ai décidé de l'inclure dans la vidéo parce que c'est un market de bouffe. Alors, on va aller voir ça. Vous êtes tellement à me l'avoir conseillé, je pense que c'est la place où vous m'avez le plus conseillé. Fait qu'on va voir si vous êtes des bons touristes new-yorkais. Je sais pas comment penser, c'est intérieur, genre. Moi dans ma tête, un market c'est extérieur. Ouais, on va voir. Je sais pas si c'est des choses préfaites aussi. Peut-être si c'est des légumes, on va pas acheter. On revient demain et on a juste un carry-on et on a acheté beaucoup de linge. Alors, on va essayer de pas trop acheter. Ouh! Imagine que tu passes à côté et t'attrapes la tête. On a trouvé une place de sheet masks, mais ça c'est pour les bullies. Comme... What? Perte de fermeté. J'ai envie d'essayer. Non, ça donne le goût. Ok, donc on vient de le sortir. C'était... Il y avait beaucoup de stock. Beaucoup de monde, beaucoup de décorations. Mais honnêtement, c'est cool parce que... Tu sais, si tu crées pour genre Halloween, c'était décoré, je suis sûr qu'à Noël, décor aussi. Ah ouais. Mais c'est ça, faut vraiment avoir faim pour y aller. Puis là, on a fait l'erreur d'y aller après avoir été mangé. Mais ouais, il y avait tellement de restos, c'est vraiment comme Jean Talon, mais en plus gros. Désolée. Donc, yeah, on va se retrouver pour le prochain snack, repas. Oh my god, ça aussi, vous me l'avez dit 26 fois qu'on devait y aller. On va aller se prendre des petits tacos de Los Tacos. Oh my god, on a trouvé ce cute pot pour aller manger, ça doit être tellement bon! Mm-hmm. Ok, alors qu'est-ce que t'as pris? Un tuxum quesadillas. Quesadillas! With pollo, carne, fait que chicken puis viande. Ouh, tu parles espagnol? Yes, a little, un peu plutôt everything. Oh, oh yeah! Toi, je pense que c'est des tacos à la vite. Non, en fait, c'est des tacos au cactus. Ah, ok. Ah oui? Donc, ouais, on va goûter à ça. Le gars, il passait tous les hispaniques avant nous. J'étais comme, est-ce que c'est le temps de sortir mon espagnol de secondaire 5? Est-ce que c'est le temps? J'étais vraiment à deux doigts de faire ma Karen en espagnol. Karen! Donc on est dans un petit restaurant qui s'appelle Inatello. Inatesso. Et puis on va manger italien dans le fond. Mais je sais pas trop les deux, on est comme pas tant faim. Fait qu'on va essayer de trouver quelque chose de bon, mais ça a l'air bon. Oh my god guys, ils nous ont donné du pain avec une petite huile ici. Il est tellement bon, c'est dans le meilleur pain de ma vie. Ouh, c'est déjà arrivé. Donc moi j'ai pris ça pour légumes avec un petit croustini. Et toi? Et le bourrata. Ah. Midnight snack. C'est comme la scène. C'est comme la scène. Oh, passe à ça. Oh, miam, miam, miam. Cheers à notre dernière soirée à New York. Ça, c'est des petits bouts de mochi. Miam, d'abord ta biscuit. Ça, c'est un autre coco. Et du Sprinkles. Miam. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Après la petite crème glacée, on est juste retourné à l'hôtel. On était morts et le lendemain, on se réveillait. En fait, le lendemain qui est aujourd'hui, on se réveillait à 5 heures, je pense. C'est pourquoi je suis très très fatiguée. Je finis cette outro là et je vais dormir. Mais j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez plus de contenu bouffe, vous me le direz. Moi, j'adore faire ça. J'adore ça manger dans des différents spots et trouver des petits gems. Ça serait pas fun à faire à Montréal. Dites-moi là en commentaire. Peut-être que je préfère ma touriste dans ma propre ville et trouver les meilleurs spots de resto. Ce serait le fun, ça! Mais dites-moi là en commentaire et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un podcast le mercredi. Bye!